Herzlich willkommen bei Französisch für Profis. Hier erkunden wir für euch und mit euch auf der Grundlage von authentischen Sprachdaten, wie Französisch tatsächlich funktioniert. Grammatik, Wortschatz, Aussprache. Auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand, aber einfach erklärt. Gerne auch zu euren Fragen und mit eurem Feedback. Es werden Ihnen gleich zwei Dialoge vorgestellt. Der erste ist ein Gespräch zwischen zwei Wissenschaftlern in einer offiziellen Situation. Sie drücken sich sehr gewählt aus. Im zweiten Dialog sprechen zwei Studenten völlig zwanglos miteinander. Beide Dialoge sind insofern künstlich, als in dem Gespräch zwischen den beiden Wissenschaftlern alle Liaisons fakultativ gemacht werden, beziehungsweise als die beiden Studenten keine einzige machen. In Wirklichkeit macht natürlich kein Franzose in einem Gespräch alle bzw. gar keine Liaison fakultative. Wenn Sie die Dialoge gleich bearbeiten, versuchen Sie bitte ständig, sich den Kontext zu vergegenwärtigen, in dem die Gespräche stattfinden. Denn allein der Kontext, das heißt die Art der Situation, die Stellung und Rolle der Interaktanten, der Sprechanlass und das Thema entscheiden darüber, ob viele oder wenige Liaison fakultative gemacht werden. Sie werden sicher auch bemerken, dass der Kontext nicht nur die Lautebene, sondern gleichzeitig auch die Wortwahl und die Komplexität der verwendeten Satzstrukturen beeinflusst. La liaison facultative. Dialogue 1. Style très soigné. Liaison facultative fréquente. Lors d'un congrès linguistique, le professeur Martin aborde le docteur Duval. Après la conférence de ce dernier sur la linguistique appliquée et l'enseignement des langues étrangères. Bonjour mon cher collègue. Permettez que je me présente. Gérard Duval. Je suis le directeur du Centre de recherches audiovisuelles. Je suis tellement heureux de constater cette concordance de nos points de vue concernant une nouvelle didactisation de la linguistique appliquée. Bonjour, monsieur le professeur. Je suis très heureux, moi aussi, de faire votre connaissance. J'ai lu avec intérêt vos articles dans Le Français dans le Monde. Je dois avouer que, pour ma part, je me suis aussi inspiré de vos recherches dont j'ai lu avec intérêt les résultats. Il n'est que trop évident que, de nos jours, dans notre domaine, les chercheurs ne peuvent se permettre de travailler isolés les uns des autres. Sans aucun doute, jamais on ne saurait exagérer l'importance d'une coopération vraiment internationale. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé une forme d'organisation pleinement efficace pour la coordination des efforts internationaux. Exactement. Que n'avons-nous pas essayé pour établir des contacts avec l'URSS, par exemple ? Pourtant, après un an d'efforts, nous n'avons encore rien atteint en ce qui concerne... Mais excusez-moi, il nous faut interrompre notre conversation. Je vois le professeur Ribou qui se lève là-bas pour donner sa conférence sur les méthodes et moyens employés en laboratoire de langue. Je serais heureux de pouvoir m'entretenir de nouveau avec vous dans la soirée, monsieur le professeur. Qu'en pensez-vous ? J'en serais enchanté. À ce soir, mon cher collègue. La liaison facultative. Dialogue 2. Style très familier. Peu de liaison facultative. Jean et Henri, deux étudiants, se rencontrent au bistrot. Salut mon pote, ça va bien ? Tiens, qu'est-ce que tu fous ici ? Je te croyais à la fac. Bah tu sais, Albert, Yves et moi, on pratique la division du boulot. Aujourd'hui, c'est Yves qui est allé prendre des notes. Pour nous tous, hein. Hier, c'est moi qui y a été, et demain, c'est Albert qui doit y aller, voilà. Ah, c'est vraiment intelligent, ça. Je connais une bande de copains qui font comme ça, tu sais, eux aussi. Ça fait un an que je suis à la recherche de partenaires pour ce truc-là. Mais j'en ai pas encore trouvé. Tous les types que je voulais y intéresser, ils m'ont dit qu'ils aimeraient mieux y aller eux-mêmes.
Et tous ceux qui l'avaient déjà essayé, ils m'ont dit le contraire. Ils m'ont dit que c'était pas une solution, que c'était trop énervant de déchiffrer les notes des autres. Nous, tu sais, ça nous a beaucoup aidés, hein. Si tu veux, je vais demander aux autres s'ils veulent essayer de travailler avec toi. C'est quand même plus intéressant de s'y mettre à 4 qu'à 3, hein. Ah, ça c'est chic, hein. Ça m'arrangerait, ouais. Parce que j'ai encore beaucoup à faire pour mon oral, tu sais. Oh là là. Bon, à bientôt, hein. À la prochaine, hein. Groß E, das Ö instable und die Verneinungspartikel ne bei der Liaison fakultative. Die Unterdrückung der Liaison fakultative geht zusammen mit dem Fortfall des Ö instable und der Verneinungspartikel ne. Das heißt, Sie können nicht eins ohne die beiden anderen machen. Stil soigné. Je suis étonné. Stil familier. Je suis étonné. Stil soigné. Je ne vais plus y aller. Stil familier. Je vais plus y aller. Style soigné. Ce n'est pas amusant. Style familier. C'est pas amusant. In den beiden Dialogen zu diesem Übungsteil unterhalten sich zwei Nachbarn. Die Gesprächspartner des ersten Dialogs wohnen in einer sogenannten besseren Gegend und legen Wert auf höfliche Distanz. Die Gesprächspartner des zweiten Dialogs stehen sozial tiefer und sind vertrauter miteinander. Ö instable. Et ne dans la liaison facultative. Dialogue 1. Style soigné. Monsieur Blanchard et Monsieur Dubois se rencontrent devant chez eux. Bonjour Monsieur Dubois. Mais je vous vois en train d'installer votre galerie. Est-ce que vous partez en vacances ? Non, pas encore. Je ne prendrai mes vacances qu'au mois d'août. Mais je prépare déjà la voiture pour les week-ends d'été. Il est tellement agréable de passer un jour ou deux à la campagne. C'est vrai, sans aucun doute. Mais je dois avouer que cette année, je ne vais plus y aller. L'envie m'en a passé l'année dernière, à cause de ces sacrés embouteillages. Effectivement, ce n'est pas un plaisir. Mais vous savez, ma femme a tellement envie de s'évader quand elle est restée en ville pendant toute la semaine. Et les enfants, eux aussi, se réjouissent de la vie en plein air. Il faut dire qu'ils en ont vraiment besoin. Ah, je suis déjà en retard. Il faut que je me dépêche, parce que aujourd'hui, nous allons voir les parents de ma femme à Villeneuve, et il faut que j'achète des fleurs. Au revoir, monsieur, et bonne route. Eh bien, nous n'irons pas aussi loin que vous. Nous nous arrêterons à Beauvillage. Au revoir et bon voyage. E instable et ne dans la liaison facultative. Dialogue 2. Style familier. Monsieur Blanchard et Monsieur Dubois se rencontrent devant chez eux. Bonjour, Monsieur Blanchard. Je vois que vous êtes en train d'installer votre galerie, là. Vous partez en vacances ? Non, pas encore. Je vais prendre mes vacances qu'en août, hein. Mais je prépare déjà la bagnole pour les week-ends d'été. Vous savez, c'est rudement agréable de passer un jour ou deux à la campagne. Oh là ! Je suis d'accord. Mais franchement, cette année, je veux plus y aller. Ces embouteillages m'ont tellement dégoûté l'année dernière. Eh, c'est pas gai. Mais vous savez, ma femme a tellement envie de sortir. Elle reste quand même enfermée en ville toute la semaine, hein. Et les enfants aussi, ils se régalent en plein air. Il faut dire qu'ils en ont vraiment besoin. Ah, je suis déjà en retard, il faut que je me grouille. Vous savez, aujourd'hui, on va voir les parents de ma femme à Villeneuve. Et avant, il faut que je trouve des fleurs quelque part. Autrement, ça va barder. Au revoir, hein, et bonne route. Ah, nous, on n'ira pas aussi loin que vous. On s'arrête à Beauvillage. Au revoir et faites pas trop de casse.